Bonjour, c'est Florent Fusier de Pilote ton business. Aujourd'hui, on va parler du pourquoi. Le pourquoi, c'est vraiment la question importante à te poser pour lancer ton activité, pour lancer ton business ou pour, si tu l'as déjà lancé, continuer à avoir de la motivation, avoir plus de focus, de motivation, de sens, d'énergie au quotidien. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir le grand pourquoi qui est derrière ce que tu fais. Il y a trop de gens aujourd'hui qui ont une activité qui est alimentaire. Qui manque de sens finalement dans ce qu'ils font, et du coup, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'intensité, il ne se passe pas grand-chose à part créer de la frustration, l'énervement, de la maladie ou des choses comme ça. En tant qu'entrepreneur, si tu as une activité que tu veux lancer ou que tu as déjà lancée, c'est essentiel d'ajouter du sens, de savoir quel est ton pourquoi. Le pourquoi, c'est quoi? C'est justement la question de qu'est-ce que tu recherches vraiment au-delà de ton activité? Qu'est-ce que tu veux obtenir vraiment à travers ton activité? À quoi ça va servir tout ça? C'est quoi la finalité de ce que tu vas lancer? Par exemple, moi, quand j'ai commencé en 2008, donc maintenant il y a 10 ans, dans le coaching, la formation, le consulting, etc., j'avais vraiment comme objectif, comme pourquoi, en fait, de pouvoir, comme les formateurs que j'avais eus, j'avais la chance de me former vraiment avec des pointures internationales, c'est ça que je voulais faire, en fait. C'était aller à travers le monde et amener des outils de coaching, de PNL, de neurosémantique, de changement pour amener un plus aux gens, pour aider les gens à créer une vie meilleure pour eux. C'est ça mon vrai pourquoi, c'est de partager des connaissances, des savoirs que j'avais pu apprendre justement avec d'autres personnes pour les aider à changer leur vie. Ça avait changé ma vie, j'avais pu découvrir vraiment un monde que j'imaginais pas vraiment auparavant, donc j'avais vraiment envie de partager ça. Donc c'est ça qui m'a animé et qui continue à m'animer aujourd'hui, dans le fait de me dire qu'il y a des outils, il y a des choses qu'on peut utiliser, on peut changer notre vie, on peut se créer vraiment une réalité, on peut créer un monde qui est meilleur pour nous, qui est plus en adéquation avec nos rêves, on peut atteindre nos rêves, nos buts, etc., si on s'en donne les moyens. C'est ça que je voulais transmettre vraiment. Et du coup, c'est ça qui m'a amené finalement à créer mon activité de formation, de coaching, à pouvoir aller sur 3 continents, dans plusieurs pays, pour pouvoir former des milliers de personnes, de créer des produits en ligne, d'écrire des livres, etc. C'est ça vraiment le pourquoi qu'il y a derrière qui fait que justement, quand c'était compliqué, c'était difficile, quand il fallait passer du temps, quand il y avait des échecs, des difficultés, qu'il fallait continuer, persévérer parce que c'était pas évident, parce qu'il y avait, on rencontre tous des obstacles, des embûches, voilà, et on voit effectivement sur les réseaux sociaux tout ça, le côté positif, on voit les résultats, mais souvent on n'imagine pas tout ce qu'il y a eu derrière comme effort, comme difficulté, comme résistance à l'échec, etc. Et pour tenir la route, pour tenir le coup, pour rester focus, concentré, motivé, avec de l'énergie le matin pour se lever, pour y retourner justement, même quand ça va pas, du coup, il faut un grand pourquoi. C'est Nietzsche qui disait qu'avec un suffisamment grand pourquoi, on peut surmonter n'importe quel comment. C'est-à-dire que le comment, le boulot à faire, les obstacles, les difficultés, le temps à passer, tu pourras passer beaucoup plus de temps que n'importe qui, beaucoup plus d'efforts que n'importe qui, quand tu sais qu'il y a un grand pourquoi derrière, quand tu sais que tu fais les choses parce qu'il y a une raison, parce que ça a un sens vraiment essentiel pour toi. C'est ça le nerf de la guerre. Si tu regardes les entrepreneurs qui ont réussi dans n'importe quel domaine, c'est des personnes qui avaient vraiment un grand pourquoi. Donc je t'invite à réfléchir à ça, à trouver ton grand pourquoi, le sens qu'il y a derrière ce que tu fais, derrière ton activité, et c'est ça qui va te propulser, qui va te faire tenir sur la durée, qui va faire que tu vas te lever le matin pour pouvoir être dans l'action, que tu vas garder des efforts, que tu seras beaucoup plus efficace que les autres. Et ce grand pourquoi, c'est ça qui va aussi créer de la passion, du focus, de la motivation. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça, à trouver quel est ton pourquoi, et je te dis à bientôt sur la chaîne YouTube. Et tu peux t'abonner pour avoir d'autres vidéos justement sur Pilote ton business, Pilote ta forme, sur la PNL, sur le coaching, des podcasts, etc.